Dimanche 15 janvier 2023. Frères et sœurs, chers amis, nous disons bon Dieu merci, nous content parce que l'Éternel permet encore de nous rencontrer dans le travail. La jam jam. Nous saluons nous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. À nous prier, bon Dieu. Chers sauveurs, nous disons merci pour grâce ou pour amour. Encore une autre fois, l'Éternel Papa, vous permet de nous rencontrer dans le travail là. Et nous rencontrons l'Éternel Papa, faut que nous t'a rencontré. Puisque son contrat. Non, la gué tout petit, tout dans mon tout côté aussi, situé, cher Seigneur, n'a pas demandé protection pour vous. Et n'a pas demandé continuer de diriger, non, l'Éternel Papa, 28 prochain, c'est 6 ans après le fait travail, là, l'Éternel. Alors, 28 février prochain, n'a pas demandé Dieu tout puissant. Non, la gué tout staff là, dans mon l'Éternel Papa, frère Boubé avec toute famille. Jack Joannes avec toute famille, toute activité, Lydia Rebecca avec toute famille, toute activité famille, nous la gueule dans mon groupe Sabéos, dans mon l'Éternel Papa, nous la gueule l'Éternel Papa, Jean-Emmanuel Doléan, frère Ulman, tout ça, frère Peter Devenin, frère Paufer, les jetons, dans mon l'Éternel Papa, dans l'occasion ça, frère et sœur Aoloris, frère et sœur Kishnol, frère et sœur Kisnel, frère et sœur Facile, frère et sœur Ovilma, frère et sœur Emmanuel. Nous l'avons frère c'est Jean Samuel et nous l'avons dans mon également frère Bennett avec toute famille l'Éternel frère c'est Maï dans mon l'Éternel papa nous l'avons toute Jeannie nous toute Dana dans mon toute Darlene nous toute Naomi nous dans mon Dieu tout puissant dans occasion ça que n'a pas demandé protection pour yo l'Éternel diriger orienter au mener yo parce que l'Éternel quand on toujours dit n'a pas qu'à faire rien sans présence ou nous l'avons Anderson Charles avec toute famille, l'Éternel Papa. Et nous l'avons c'est Anthony Agelin, toutes les branches Gélin, toutes les branches Mentor. Et dans mon Dieu Tout-Puissant, nous avons Madorité avec eux, toutes les branches Virgile, et Frère Sterling à toute famille, l'Éternel Papa. Et toutes les branches Joseph, et Maestro, et c'est nous avec toute famille. Nous l'avons tout dans mon Dieu Tout-Puissant, toutes les branches Altidor, toutes les branches Parmelis, Erline, Parmelis dans mon l'Éternel Papa, nous m'endorité avec au Dieu Tout-Puissant. Et frère Flossi ensemble avec Mamani, vous connaissez l'Éternel Papa. Et ça vous dit en faveur santé, au frère Ludé, frère Lossoué, tout ça, frère Légem, frère Sonny Gabriel, frère Jules Miss, dans mon l'Éternel frère Enel. Nous m'endorité avec frère Sir Ruben Paul et frère Richemont dans mon Dieu tout puissant papa maintenant rété avec pour nous l'Éternel diriger l'Éternel et nous laguer toute Mackenzie nous honnête dans mon cher sauveur nous pas capable citer nous tout le monde mais on connaît tout le monde nous laguer notre ami notre frère la famille c'est Dieu l'Éternel papa tout dans mon papa la famille Farius, tout dans mon cher Seigneur, que nous bénissons, que nous glorifions. Chers amis, c'est avec un pile contentement. Dans la dernière étude, nous avons eu chance pour nous faire. Nous avons côté Paul et nous entré dans l'église en church là. Et là, il est arrivé, les gens qui ont fait service au jour sabbat. Après, nous avons fini de faire lecture. Il a demandé à Paul s'il y a quelques bagailles avec Barnabas pour nous ajouter. Et laisse ça et Paul t'a pas faire intervention n'ego t'a pas faire intervention yo et pour te placer quelque parole ou connaît les serviteurs de l'Éternel il toujours gain bagaille pour dire songe ça dans école biblique yo dit non ça dit que et yon prédicateur pas jamais pas paré yon prédicateur pas jamais pas paré ou doit toujours parler depuis au fait appel à vous faut gain bagaille pour dire vous prendre bon il est vrai que et toute règle gain exception mon n'a pas capable parler soit par état de santé ou seulement par disposition indisposition spirituelle ça qu'arrivé mais en termes de préparation de message etc il doit faut prédicateur toujours prêt depuis gon intervention qui pour faire pour lui faire intervention. Donc c'est important pour nous comprendre ça. Alors les Pierre, les Paul rivé à Antioche, yo dit non et c'était jour sabbat ou t'est rivé
côté mon y arrivé à côté au fin faire lecture j'étais fait place avec monsieur yo. Et à partir du verset 16 frères et sœurs nous a acte chapitre 13 verset 16 yo dit Paul se leva fait un signe de la main et dit Israélite vous qui créez Dieu écoutez. Ça veut dire discours Paul là pral commencer là frères et sœurs côté que l'a demandé moun yo pour yo prêter attention mais ou remarquez li adressé spécialement avec les Israélites sans doute c'était eux même qui était là tout en dedans on prend qui fait li introduit comme ça le Dieu de ce peuple tendez sa mission a dit alors peuple Israël a choisi nos ancêtres il a fait grandir le peuple pendant un séjour pendant son séjour en Égypte où finalement d'après le fait sortir en Égypte il les a supportés pendant 40 ans dans le désert notez pas l'eau de cela et après 40 ans dans le désert d'après le détruit des nations pour faire venir habiter dans le pays Canaan là il était bailler au territoire Canaan comme propriété après 450 ans environ pendant qu'ils étaient dans le pays Canaan et il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel jusqu'à présent c'est ça Abdino là et côté pour la parler il dit il a passé 450 ans environ dans le pays Canaan et côté que l'Éternel t'a bailler au juge li bailler au juge et par exemple te gain et juge Gédéon Jephté Samuel jusqu'à Samuel parce que Samuel il présenté non Samuel comme étant dernier juge là non songer ça parce que dans l'époque ça dit important bon explication le peuple là t'a demandé pour le roi même gens avec l'autre nation l'Éternel pas de voler mais il était tellement insisté le besoin roi peuple là était tellement insisté le besoin roi finalement l'Éternel d'après dit Samuel c'est pas ou même yo rejeté c'est moi même yo rejeté n'a baillon roi mais roi n'a baillon roi il a payé ça avant il a payé ça et c'est ça que fait nous content de très souvent qu'on a dit le peuple trouve le gouvernement qu'il mérite si yo t'ai besoin yo t'a vu avec juge yo t'a vu là t'a prêté yo mais qu'on y a dans grande cité yo t'ai besoin roi en mérite avoir le nom Saül qui t'a braler faire ouais toute couleur de l'arc-en-ciel. Alors, à partir du verset 21, ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alors, jusqu'à présent, frères et sœurs, tout ça n'a pas dit là. C'est rappel que serviteur Paul a fait pour l'expliquer. Mon Israël, yo dans l'église Antioche là, et dans la synagogue là. On prend pour l'expliquer exactement et par quoi le livre l'explique. Parce que n'a pas remarqué, et Pierre t'a fait ça, et Philippe t'a fait ça. Yo remet fait parcours historique là pour montrer mon exactement qui côté. Alors il dit c'est de la descendance de David que Dieu conformément à sa promesse a amené à Israël un sauveur qui est Jésus parce que il pas gagne l'autre bagaille la vienne ba non c'est Jésus avant sa venue Jean avait prêché dans le désert non songez ça donc la expliquer là il dit que mais c'est dans descendant David là que Jésus-Christ après le venir. C'est dans race là après le venir, selon généalogie noté avec moi dans Matthieu chapitre 1er, il était montré dans tout parcours généalogique là qui pourrait aboutir avec la venue de Jésus. Alors on dit avant Jésus-Christ est venu et Jean est venu d'abord, Jean t'est prêché ça relé le baptême de la repentance. C'est me prendre ensemble pour me permettre de comprendre. Il dit là
avant sa venue, et verset 24, Actes chapitre 13, verset 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple Israël. Et lorsqu'il termina sa course, Jean disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Alors, en campé là, on songeait et Jean t'a fait déclaration ça dans Matthieu. Côté Jean dit, et c'est pas lui-même qui t'est Messia, c'est pas lui-même qui sauveur, lui-même, il n'est pas représenté rien. Il n'est pas représenté rien devant Messia. D'ailleurs, il dit, c'est pas lui-même qui sauveur. Il dit que il pas même digne pour le temps même délacé on prend détacher sandale qui n'a pied sauveur on prend son simple citoyen l'Éternel t'a voué lui pour faire travail là pour commencer travail là Paul l'a dit il était venu comme précurseur pour préparer le chemin du Seigneur et alors tout ça aussi explication que Paul a bail pour l'entrée pour permettre mon yoré qui côté lié na qui ligne lié qui tracé la fait là mes frères verset 26 il dit mes frères descendants d'Abraham et vous qui créez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée parole ça m'a dit à là Jean t'a répété là Jean Baptiste t'a dit à là parole de Jésus ça c'est pour même et parole la devenir nous même qui fait partie des peuples bon Dieu hein c'est pour nous donc vous remarquez en pile précaution que Paul apprend dans message là puisque pas oublier mon yo considérer message là comme parole ça comme une nouvelle religion faut apprendre avec en pile précaution hein donc monsieur dit là nous même qui est craintif pour bon Dieu c'est pour nos paroles ça a venu même parole de salut à parole de délivrance en effet verset 27 les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu que qui était Jésus mais en le condamnant ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat alors yo di yo les Jésus vini et dans explication monsieur Baye li di yo pas reconnaître Jésus-Christ propre peuple il a pas reconnaître Jésus-Christ ils n'ont pas reconnu qui était Jésus mais ils ont été condamnés lui et tant que Jean prophète ils ont dit bagaille là te gain pour te river à texte qui te qu'on lit chaque les sabbat pour expliquer effectivement monsieur ils ont été tué Jésus-Christ ils ont été condamnés à mort bien que verset 28 là n'a dit là vient que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort ils ont demandé à Pilate de le faire mourir malgré on comprend ça dit là frères et sœurs malgré pas dit rien en lui même qui pas bon malgré même Pilate dit non n'a innocent pas rien en lui même qui pas bon mais ont demandé pour tuer Jésus-Christ selon verset 28 là avant yo te mandé pou tuer Jésus-Christ après que yo te fin faire ça ou ta un jugement face un jugement qui pas jugement vrai avant les fini yo mandé pou tuer Jésus les ou pareil et leur pareil argument et non songé madame Pilate même était dit Pilate nom na innocent râler corps dans dossier ça rale kon an dossier sa et ça fait frères et sœurs m'a dit non gen des rôles ou rempli et rôle dangereux et rôle embarrassant lié gen des rôles ou rempli l'autre d'ailleurs pour retirer corps ou pas ca retirer corps comme ça malgré Pilate te rendre compte citoyen vraiment li pas gagner des bons à lui-même et des mauvais à lui-même qui t'a pour mériter la mort mais cependant frères et sœurs c'est lui-même qui doit prononcer c'est important c'est lui qui te doit prononcer et sous pression Pilate te doit signer et te doit accepter pour Jésus-Christ te mourir malgré lui dit pas trop rien de bon en lui-même yo même yo dit selon loi yo c'est pour Pilate autorisé
que nom nan mouri. Alors, yo di non verset 29, après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et ont déposé de son cadavre dans un tombeau. Donc là au fin douyé li, est fini de grand tombeau neuf. Non son yo parlé de Simon de Cyrène qui était grand tombeau neuf dans jardin. Avant c'est là où t'as pris le prani, yo déposé le. Mais Dieu l'a ressuscité. Hein? Non ouais ça n'avait pas d'être là. Mais Dieu l'a ressuscité et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et sont et ses témoins auprès du peuple. Donc il était ressuscité. Après résurrection, il dit non côté que il a marché avec disciples pendant plusieurs jours, pendant un certain temps, car non songez bien et Jésus-Christ a fait 40 jours sur la terre après résurrection, il est fini, il a pral monté dans ciel. Li ta pral monte dans ciel. Li important pour nous comprendre ça. Toutes ces explications que serviteur a ta bail, les campé, les bal la parole là, li campé a la bail toute explication ça pour le montrer et Jésus yo te tué a c'est pas erreur yo te fait ça, yo pas doué arriver dans niveau ça et c'est conscience ça li ta pral vle au prend. Et c'est conscience ça qui fait en pile serviteur en pile servante yo, surtout des serviteurs étaient mouri. Et dans verset 32 il dit et nous annonçons cette bonne nouvelle et la promesse faite à nos ancêtres. Alors malgré au fin touye là mais on connaît puisque touye là pas un bagaille qui était comme on t'a dit ça qui ton bagaille ordinaire. Il a détruit le certes, mais il a ressuscité. Ça veut dire non, ni tapé fait chemin. C'est si il a détruit, il a traité dans le tombeau, c'est ton l'autre affaire, mais il n'a pas traité dans le tombeau, non, tapé fait chemin. Hein? Là, il dit, c'est ça que vous parlez. Non, là, nous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accompli pour nous, c'est pour nourrir Jésus-Christ est venu mourir. Nous leurs descendants en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2 tu es mon fils bien-aimé je t'ai engendré aujourd'hui donc là moi va pas le dire rien parce que c'est son l'autre figure son l'autre tournure ça après gagner pour l'humanité il l'a ressuscité selon verset 34 de telle sorte qu'il retournera ne retournera pas à la décomposition. Donc ça veut dire que côté que il pas pral senti l'Éternel te ressuscité d'entre les morts, leur dit tu pas pral senti à même avec mon qui mouri au on est après un certain temps mon yo pral senti mais lui même il pas arrivé à la décomposition puisque même corps ça et avec il pral ressuscité à marcher monter descendre. Et les fractures te prend tout yo te fait nan koli nan plamen sou côté li bokot li et cetera hein et ça t'a pral servir de signe pour moun te wè sa te subi le vini et c'est justement pour moun te wè c'est justement pour moun te wè le vini pour tout ça yo pou te boucher parce que n'a pas songé que ça fait te gen trou nan plamen nan c'est parce que yo te mette et c'est nan men yo te cloué bon ça quel te gen trou bon kote li a c'est parce que yo te ballon coup de lance côté que de l'eau avec sang te sorti alors toutes ces des explications ça yo monsieur bay et li continuer dans verset 34 là alors en on fin li verset 34 là il dit il l'a ressuscité de sorte qu'elle ne retournera pas à la décomposition, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » Donc, parole l'a dit là, l'Éternel a bâillé. Grâce, promesse, dit fait à David. Hein? Dit fait à David. Et tu ne permettras pas que ton sein
connaissent la décomposition, la corruption, on capable dire la décomposition ou la corruption, d'arriver pour lever nos niveaux, pour le sentir, Paul l'a dit déjà, à travers les Écritures, on prend dans le psaume, et côté l'Éternel dit, et notre ouais, dans le psaume, il dit que tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption, ou connaisse la corruption ou la décomposition. Il dit Jésus-Christ pas doué arriver pour le démourir pour le sentir parce que c'est à même quoi il va marcher dans mitan aussi à même quoi tout qui va le transformer pour le aller monter dans ciel tout ça c'est explication Paul a bail après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu. David est mort et rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Ça, c'est pour David. En revanche, c'est lui que David a ressuscité, c'est lui que Dieu a ressuscité, n'a pas connu cette décomposition. David lui-même était mort, c'est une explication là-bas, oui. David lui-même était mort, David te connaît la décomposition, David il était metté dans la tombe, même j'ai avec Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde ça, Joseph, yo te connaît la décomposition, Moïse yo te connaît la décomposition, Samuel, Saül, yo te connaît la décomposition, Josué et Gédéon, Jephté, tout le monde ça yo te connaît la décomposition, mais Jésus-Christ c'est la seule personne l'offrande. Alors l'offrande de Dieu, l'offrande pure, qui pas connaît la décomposition, frères et sœurs. Alors c'est ça n'a pas là, c'est ça n'a pas là, qui t'a pas fait différence. Mais toutes ces explications que Paul a bâillé, et que nous pas bien chance pour nous finir, parce que nous avons l'air à marcher sérieusement pour nous, demain si Dieu veut nous tourner pour nous continuer avec débat. Mais après côté la fait historicité la fait parcours historique biblique là pour le montrer qui côté peuple juif là sorti et pour montrer Jésus-Christ là il était tué a tué par erreur c'est lui même qui t'a venu pour libérer pour bailler la vie qui va bien fini qui va ouvrir l'évangile là à l'humanité. Il est vrai que mon yo même yo pas n'a accepté pour l'évangile et ouvert à tout le monde. Parce que l'évangile là comme si tu dis religion c'est pour y aller. Alors nous venons un moment pour nous finir 41 20 74 33 n'a tourné de messieurs et n'a prend à partir du verset 38 pour nous continuer bonne explication.